c'est l'air à battre, qui se transformait souvent en Bretagne en air à danser. On danse alors pour tasser la terre ou piler la récolte. On invite le voisinage pour transformer le travail en un plaisir collectif. À Leuren, c'est la scène sur laquelle les danseurs d'aujourd'hui reproduisent les pas de leurs prédécesseurs, invoquant à la fois la tradition des ancêtres et la modernité d'un monde en mouvement. Ne var à l'heure, mais var à Leuren. Quelques planches de bois que l'on ne voit jamais. Et pourtant elle est là, sous nos pieds, cette grande scène noire. Sans elle, le spectacle n'aurait pas lieu. Chaque danseur a un rapport particulier.
plie au sol. Il s'en sert d'appui, il le repousse et le survole. Mais toujours, la terre le rappelle, comme un aimant puissant. Alors, parfois, malgré la lumière des projecteurs et le regard des spectateurs, le danseur s'arrête et se penche. Il écoute enfin le chant de notre mère la terre. Nous vous avons habitué à vous conter une histoire, n'en cherchez pas aujourd'hui. Et si ensemble, nous remontions nos racines?
Et rayons vite qu'on a manu.